Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous, bienvenue Dark Funeral 972. Oh là là, t'es tout beau. On est en train de faire des prisons. Ça va? On se faisait poursuivre à l'épisode précédent, mais là ça a l'air plutôt calme. Hein. J'ai préféré te suivre. Eh, hey, t'avais du pif si je puis me permettre l'expression. Donc on est parti pour cet épisode 4. Oui. Qu'est-ce que on est parti. Ma maman m'a dit que j'étais un petit peu limité. Mais c'est pas très gentil ça. Je vais tout pour être dans la normalité. Je suis peut-être pas comme les autres, mais j'aime ma vie, putain. Trouvez Léo. Trouvez Vincent. D'accord, attends. Ok, donc on peut se séparer. Attends, je peux te trouver. C'est vrai que c'est marrant quand j'essaie de te trouver. Ah, c'est... je crois que c'est. T'as quand même un personnage un petit peu limité, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, on sent que t'as l'air cool, hein. Et tu sais qu'apparemment, t'es une machine, hein. Je crois que soit t'es un des développeurs, soit t'es un mec dans les services militaires. Enfin, c'est un truc de ouf, apparemment. Oui, mais je crois que c'est. Mais il a la tête du mec, tu sais, qui était venu au. Oui, pour présenter le jeu, justement. Et qui parlait en mode. Yeah, il voulait plus lâcher le micro, le bordel, là. Exactement. Bon, les gars, on venait de s'évader de prison, hein. Ça y est, c'est fait. Et le jeu est très très long, ne vous en faites pas. On est loin de la fin. Eh, je te fais la courte échelle. Vas-y, monte, mon petit. Hop, il y avait un hélico, hein, il a totalement disparu entre temps. Hein. Entre les deux records, gros, l'hélico. Panne d'essence, il n'y a plus personne. Voilà, il était là, il a dit bon, bah ils sont partis. Ils vont revenir plus tard. Oh shit, cops everywhere. We gotta watch out. Yeah. Ok, mec, va falloir qu'on se la joue infiltration. Je sais que t'as des difficultés avec ça. Mec, je suis une machine d'ailleurs, je passe à droite. Ouais, bah t'es le seul qui s'est fait cramer jusqu'ici. Hein. Okay, mais non, mais c'est... j'ai eu un problème de X. C'est ça. C'est ce que disent tous les prisonniers qui essayent de s'échapper. Regarde, comme par hasard, je vais à gauche, il éclaire à gauche. Ils sont cons comme des morts. Arrête de te faire passer. Oh bah, c'est toi qui dis ça. Non, bah, c'est. Oui, c'est mon personnage qui l'a dit. Moi, je propose que tu prennes le mec. Non, regarde, je suis déjà dedans. Je l'arrache. Non, mais hein. Je vais lui mettre ce qu'il mérite. Hein. Je vais lui mettre sa dose. Hein. Attends, je vais le doser sur 4 générations. Attends. Regarde attends, le flic, il est là. Mais attends, je à gauche, comprends à gauche. Pas. Je ne vois rien. Mais j'entends attends, des gens bouger. Vas-y, mets-lui ce qu'il mérite. On peut pas bouger le corps. Genre vraiment. Occupe-toi de l'autre, hein. Chacun ses problèmes, hein. Chacun sa route. Vas-y, tu quoi? Eh, hey, on vide, hein. Vas-y, viens, on vide l'espace de jeu. Fais pas le con, je te fais confiance, hein. Attends, je pense que j'ai même pas besoin de les tuer, en vrai. Tu crois qu'on peut juste passer à droite? Parce que là, parce c'est que juste je suis trisomique. Ah ouais, t'as failli te faire cramer encore, déjà. Putain. Mais n'importe quoi. Si, mec. Ah ouais, mais ils sont deux. Non, c'est non. Quoi la touche? RT. Ouais. RT, bordel. RT. Mec, j'ai mis une patate, gros. Faut beaucoup RT dans le jeu. Mec, lui, je vais lui mettre ce qu'il mérite. Lui, il va prendre sa part. Attends, ils sont deux. Non, vas-y, occupe-toi de lui là-bas. Lui, dès qu'il fait demi-tour, c'est terminé pour lui. C'est terminé. Paf, patate. GG, mec, on est des monstres. J'ai fait me faire cramer, mais on est des monstres. Ok, il y en a un, il y en a un pour toi, tu le prends ou pas? Vas-y. Comme ça nous en fera trois chacun. Parce que nous, on compte nos cadavres. On a tué des ouais. C'est celui qu'on a le plus qui a gagné. Ah, paf, on va avoir besoin de toi pour le dernier, forcément, c'est en duo. Vas-y, tu peux bombarder. Attends, je regarde où t'es. Bah, je suis. Voilà. Tu prends celui de gauche, je prends celui de droite, t'es prêt? Attends. Attends, c'est bon. Ouais, on va synchroniser. Get over here. Vas-y, mais je me synchro. Bah, je suis dans le buisson. Je te vois. Fais gâchette de gauche. Mec, c'est trop bien. En vrai, on voit vraiment rien, hein, pour le coup. Allez, go. T'es prêt? Vas-y, vas-y, go. Allez. Allez, bien joué, mon pote. On est des monstres? Ok, je pensais qu'il y avait une cinématique. On continue. On est qu'à 30 mètres de la prison, frère. Hein. Je crois qu'ils avaient swappé les persos avec la caméra. Je crois que c'était toi et que tu étais moi. Non, jamais ferai une erreur comme ça. Oh là là. Fais gaffe, il y en a à droite, hein. Lui par contre, on le voit pas. Hein. Ok, donc il y a les shérifs et tout là, ils sont prêts à envoyer du pont. Ouais, eux laissent tomber, on peut rien faire. On va s'occuper de Johnson. Juste en face. Tu t'en occupes. Oh, je pense qu'on avait pas vu. Vas-y. Fais-lui un croche-patte avec ton nez. Fais-lui un croche-nez. Attends, je vais faire un suçon nasal. RT. Toilette, le retour. C'est parti. RT, bordel. RT, bordel. Mais tu vas RT cette vidéo. Paf. Mec, t'es prêt? Vas-y, je saute. Bien joué, mec. Eh, on s'en sort plutôt bien, hein. À nous la liberté, hein. Bah là, c'est tranquille. Mec, c'est trop stylé, par contre, les décors au state comme ça.
Il y a juste une méga falaise, mais tout va bien. Je kifferais avoir une maison comme ça, éloignée et tout, avec vue sur une prison. Mec, c'est ouais, tu sais, t'es au bord d'une falaise et tu sais, les maisons avec une terrasse au bord du précipice, tu vois. Ouais, c'est ça. Et à tout moment, dans une soirée, tu jettes ton pote par la fenêtre, on s'en bat les couilles. Oh, il est casse-couille, il part de sa troisième corde. Voilà, tu vas à droite ou à gauche? Tu veux qui? Y'a qui tente? Moi, y'a Anderson à gauche, je vais bien m'occuper. Vas-y, je m'occupe d'Anderson. Vas-y. Monsieur Anderson! Heureux de vous revoir, vous nous avez manqué. Ok, t'es prêt? Je suis prêt, Arte, quand tu veux. 3, 2, 1, go! Paf, patate! Ils mais quelle pas... synchronisation! Voilà, les gars, c'est ce qui vous attend! Balai, hein. Tous ceux qui RT pas la vidéo une fois sur Twitter, on met des ça! Grosse hein. Patate dans vos dents là! RT! RT, putain! RT! C'est les mecs un peu triso! RT! RT! Moi, je veux du RT, moi! Bah ouais, l'URT, c'est la vie! Ah, voilà le pont! Bon, je pense qu'il va falloir que je te fasse la courte échelle. Vas-y, fais-moi la courte échelle. Rap pas mon nez par contre. Allez, hein, salut, gros! Hein. À moi l'évasion, hein! Et moi, je meurs! Let's go that way. We should be able to sneak under the bridge. What? No, it's way too high. Too risky. I say we take that guy up. Take his car, cross the bridge. What are you, crazy? Don't like heights, man, okay? Attends, mec, oublie pas que toi, t'es un petit peu triso. Donc viens, on prend mon fil, non? Passer sur le... Ouais, mais si mon personnage a le vertige et que j'ai des problèmes de QTE... Ah, tu vas aller sous le pont? Non, toi tu vas aller sous le pont, moi je veux prendre la bagnole, moi. Moi je veux aller sous le pont, ouais, clairement. Ouais. Tu veux pas aller sous le pont, mec? On se la joue vraiment infiltration? Vas-y, si tu veux. Bah, non, honnêtement, tu voudrais quoi? Vas-y, tu sais quoi, c'est... Hey, on fait un choix à chaque fois. Vas-y, vas-y, on passe sous le pont. Mais si on perçoit le vertige, il va falloir que tu me sauves la vie, hein. Pourquoi t'aurais le vertige? Bah, il vient de le dire. Oh, mais t'es vraiment triso, putain. On peut pas s'échapper d'une prison avec un mec qui a le vertige. Mec, tu viens de... Tu viens avec un cintre, tu viens de t'échapper à 40 mètres de hauteur et tu me dis que t'as le vertige sous un pont. Mais gros, là c'est plus 40 mètres, là c'est 175 mètres. Oh, je suis sûr, t'imagines, tu vas être rebou, gros, je vais devoir te soutenir et tout. Ah bah, va falloir que tu me tiennes la main, hein. Là non, c'est mais sûr. Là, on est d'accord. Non, mais attends, sous le pont, c'est. Là, tu sais qu'il va y avoir du QTE à gogo sur le pont, tu vois ce que je veux dire? Ça va s'enculer avec les flics. Là, je pense qu'on est pas mal. Je vais juste devoir te rattraper à mon avis. Attention, hein. Bah, regarde pas en bas, Léo. Hein. Je regarde pas, je regarde pas. Attention, ton nez pointe vers le bas, gros, hein. On est pas bien. Hein. Ça rajoute du poids. Bah, au contraire, ça fait la balance. Ah. Alors, vas-y, je reste là au cas où, s'il faut que je te tienne la main. Ouais, gros, moi j'ai pas le vert. Moi je suis un bonhomme. Eh. Ouais. Eh, moi je suis un bonhomme. Ouais, ouais. Oh putain. Okay. On peut se mettre à l'abri ici, mais y'a juste rien ni personne. Léo. C'est pas trop. Oh putain, mais c'est. En plus, ça me donne un effet. Regarde en bas, ça fait pas un effet fisheye. Non. Ah oui, quand tu regardes en bas. Attends, toi ça le fait pas? Moi ça le fait, regarde. Ouais, j'avoue. Et il a vraiment le vertige, mon personnage, ouais. C'est horrible. C'est un petit détail. Toi ta caméra elle est. Elle est fichaisée. Ouais. Oh putain, cache-toi! Elle est pas bien. Oh, ça va aussi l'hélico, il se fout de notre gueule celui-là, eh! Hey. Eh tiens, j'ai envie de regarder d'un coup sous le pont avec mon projecteur. Mais what? C'est le meilleur pilote d'hélicoptère que bah, j'ai. Bah ok, je te touche le boulot, hein. Tu me vois même pas en plus. Si tu. C'est le meilleur pilote ever. Ouais, il a une maîtrise pour voler. Mec, il fait des translations latérales, gros. Bon, je te jure. Le gars, il est horizontalement, il maîtrise parfaitement, tu vois. Oh, pourquoi mais t'es triso, mais t'es vraiment triso, putain. Aide. Eh, hey, démerde-toi, t'as un nez. Il a mon nez, il accroche entre deux barreaux là. Quand j'étais petit, j'étais tombé d'un arbre. Putain, pourquoi c'est moi, quoi? Passe devant. Allez, putain. On y va, mon pote. Eh, ça va. Mec, c'est sécurisé sous un pont. Oh putain, mais mec. Ah, bah par contre, ça va être à toi de mourir. J'aurais peut-être dû moi y aller en fait. Hein. C'est peut-être un peu con, non? Bon, je regarde pas. Ouais, moi je suis musclé, regarde. T'as vu? Bon, tu veux t'échapper ou pas? Attends, je regarde en bas pour voir s'il se passe un truc. Mec, ah, t'as vu, toi t'as vraiment un effet, ouais, caméra un fish peu. Eye. Ouais, c'est ça. Le fish eyes. Je pense que si je t'ouvre la porte là, tu peux sauter. L'œil du poisson, t'es en train de me dire. Ouais, c'est ça, ça s'appelle le fish eye. L'œil du poisson, t'es en train de me dire. Attends, ouais. Moi j'ai pas le vertige, moi, tout va bien. Et j'ai pas besoin de ton aide. Ah bon, t'es sûr? Vas-y, hop, premier arrivé, gros. Il a gagné. C'est le mec qui est toujours en compétition. Oh bah gros, attends, vas-y, tu sais quoi, je passe devant au cas où parce que. Oh là, c'est gaffe au-dessus de toi. C'est bien fait qu'ils aient pensé à ça. Quoi? Quoi? Hey,
What is it? Come over here. Quoi? See that ridge over there? Regarde pas. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il a fait de cramer. Non, non, ouais, non, non, mais c'est un. Je sais pas, c'est un. Sympa. Oh bah, toi, oh là là, je vois les pieds du flic. Mec, j'avoue, t'es pas bien. Ah bah là, là c'est même plus un, c'est même plus le, un œil de poisson que j'ai là, c'est le globe entier. Allez, vas-y, go. T'as un gros cul, j'arrive pas à passer. Eh hey, oh, respecte mon cul, ok. Mais ouais. Mec, ma maman m'a toujours dit que j'avais un beau petit cul. Mathieu Arte, tu viens? Ouais, parce que moi j'ai peur. Ah d'accord. Nous sommes les meilleurs amis pour la tiens, vie. Tiens, prends ma main. J'arrive, Johnson. S'échapper de prison, c'est un plaisir. Car je suis avec mon ami. Ah. Avec mon ami. On devrait pouvoir casser, ok. Attends, avec mon nez, je peux pas crocheter ça. Mec, j'ai ce qu'il faut. Les gens, ils vont en avoir marre à force que je parle du nez du type. Mais ouais, j'avoue, hey, tu fais une fixation sur son nez. Mais mec, je vois que ça, la texture en 4K, regarde-moi cette texture. Oh là, j'ai pas vu le mec à gauche. Fais gaffe, hein. J'arrive. Oh non, bah alors là, c'est vraiment... C'est les canons américains, gros, c'est du foutage de gueule. C'est juste pour t'empêcher de péter les cookies, Ouais, c'est ça. Ok, vas-y, go. Shit. There's a guard. Careful. Je me dépêche parce que je la sens pas cette fois. Ok, c'est pas terminé. On y est presque, viens. Ici, je peux te faire la courte. Vas-y, donne-moi la courte. Bon. Ah. Mais tournez ailleurs que sur mon épaule. C'est parti, je vais choper lui. Vas-y, mets-lui ce qu'il mérite. Hein. RT. Mais tu mets RT, bordel. Ah, c'est bon. Ah, d'accord. J'ai pas de QTE, c'est bizarre. Bah, comment je fais? Bah. Bah c'est fini en fait, tu m'as pas aidé. Non non, faut que tu me rejoignes en fait, c'est scripté là. Ok. C'est stylé par contre. J'ai du temps en fait. Hein. Oh là, le mec il a cette ma merde. Je vais pas aller dur. Come on man. I can sense you're not equipped to deal with this type of situation. Just let me go. Oh, mais il a tiré ce boubours. On aurait dû aller en voiture. Oula, des Doberman. Ouais, gros, on va se faire. Ça, c'est des Doberman. C'est mes chiens préférés. Hop. Ah oh, GG, il a voulu choper ton nez. Oh merde, on est séparés. Vas-y, cours, Léo, cours. Putain de clébard. Cours, Léo. Il court trop vite. Mais Léo, mais il est prison. Oh, je crois qu'ils sont derrière moi. Je vais les chiens, putain, je vais les chiens. Ah, ah. C'est rien, c'est rien, c'est rien. C'est rien, c'est rien. C'est juste un bras, il m'en reste un. Oh putain, ah. Oh là, ma vie est nulle. Attends, mais t'as passé de vitesse là. T'es trop lent. Bah c'est le chien qui m'a... Attends, t'es prêt? Attrape-moi. Go! Attends, mais t'es où? Léo! J'ai eu un bug? Moi, t'étais genre par terre en fait. Non, 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 non. Moi, je t'ai vu tomber. Bah, d'accord. Je maintiens. J'ai eu un bug. Je suis toujours là, Léo. Même quand tu crois que je tombe. En fait, j'étais. Shit! Damn it! Almost had. بس هذه خطرة وكبيرة جدا. حلوة كثير يا صديقي. شنو تعتقد أنت مهتم بهذا الشيء؟ وشنو أقول لك؟ غالية كثير. أنا أتفق معك. وهذا شيء hey. خطر. Hey, just tell him this is the deal. You either take it or don't. Got it? يا أخي هذا ما يقبل ينزل السعر. أنت لو تشتري لو لا. شيء غير معقول. إحنا نتحمل الخطر؟ هذا لازم ينزل السعر. He says no. It's too much risk. The price must come down. That's not gonna happen. But listen, Harvey, it's not gonna happen. Harvey, I need to talk to you. Wait. You got it? It's important. You need to hear this. Look, take the deal
or stop wasting my time. All right? Yeah. What's up? Leo busted out of prison. What? I just got the call. Isn't he supposed to be dead? Our guy fucked up, got himself killed by the guards. Good for nothing, piece of shit. I'm sorry, boss. Look, Sean, you need to find him, okay? Yeah, but I'm not sure the men we have right now are not my problem. You just need to find him. You got it? I don't give a fuck how, just make it happen. Yes, boss. So you decided? Yes, price down or no deal. Okay, no deal. I'm hungry. Me too. I even missed that shitty food we got back in the joint. C'est typique le ricain avec son deagle en or et tout. Ouais, c'est ça. Anyway, let's head on. We should find something. Je voulais faire une blague mais je me suis tué. C'était quoi? Vas-y, vas-y, fais-la parce que je sens, tu sais que tu vas bider. Hein. Ouais, cette blague en retard. J'ai dit ils vont se réincarner. Yeah, you do that. Check, carnet check. C'était tellement nul mec. Heureusement. Et tu voulais faire ça en cinématique? Non, je voulais la faire juste après, mais je me suis dit, non, on va éviter. Mais c'est, en plus, c'est même pas des checks, gros. C'est pareil. Vas-y, non, mais c'est pas parti. Pas des checks, des chèques. Ah. Comme, ouais, des chèques. C'est ces trucs-là, avec les espèces de turbans à pique-nique sur la tête et tout. D'accord, turban à pique-nique. Donc, le respect est totalement parti. En même temps, il s'est évadé avec le respect, le mec. Ah bah ouais. Le respect est resté en prison, littéralement. Il est resté dans la cellule, le respect, là. Le respect, il est resté en zonze. Le mec, il s'échappe tout seul, tu sais. Le mec, il dit ça en sortant du truc. Vas-y, on va filmer. Vas-y. Allez, c'est parti. God damn it. Eh, viens, on prend un arbre, on se construit une maison ici, on s'en bat les couilles. Eh viens, on se fait un rust. C'est bien qu'on en sache un petit peu plus sur Harvey, par contre, tu vois. Leo, there's a camp down. Je pense que bah, ça va se concentrer pas mal sur la vengeance, en fait. Yeah, but it looks empty. Yeah, you're probably right. Let's check it out. Maybe there's something to eat there. All right. En fait, je pense que ça va vraiment monter crescendo en termes de difficulté. Allumer un feu et pêcher un poisson chacun. Mec. On est sorti de prison, hein, c'est content. Ok, ah, d'accord. En fait, ce que je fais, c'est que je t'envoie les poissons dans la gueule en faisant des remous. Vas-y. Remous. Mais non, vers là. Oh là là. Non, mais regarde, comme ça. Ils font le tour là. Regarde, ils viennent vers toi. Vas-y, regarde, on les pince là, Remous. Vas-y. Fais des remous. On les pince. Il y a un poisson, gros, il est en sueur. Quoi? Oh non, ils ont. Ouais, ça m'a cassé. Ah, faut peut-être d'abord allumer le feu, non? Vas-y, ils sont foutus de notre gueule. Faut allumer le feu pour pouvoir se construire une canne à pêche. Allez, du brindis de bois. Mais quelle canne à pêche, mon gars! Mais moi je te fais. Je te chope ça comme Sébastien Chabal. Vas-y, allume le feu, je fabrique un harpon. Ah bah voilà, faut un harpon. Bon, enfin, un harpon, c'est gros, ça fait une brindille. Qu'est-ce que tu fais tout à l'heure? Il me faut du wood pour le fire! C'est bon, j'ai mon harpon. J'y vais, mec. Gros, t'as mis deux coups de couteau à. Ouais, mais parce que je suis un monstre. Ok. Ça va, Robinson? Non, je peux pas tout seul, je peux pas. Vas-y, MLG, Fortnite. S Non, faut qu'on soit à deux. Vas-y, viens, mec.
Voilà, j'ai allumé le voilà, feu. Vas-y, viens. Mets-toi bah, là-bas, de l'autre côté de l'îlot. Mets-toi de l'autre côté de l'îlot. Bon, écoutez-moi, bah, elle est pas chaud. Comment tu vas pas me casser les couilles? Je suis en position en plus. Vas-y, arpène. Mais gros, mais c'est nul. C'est... Mais non, mais pousse-les vers moi, idiot. Bah, je les pousse pas vers moi, ces connards. Attends, regarde, voilà. Non, mais va de l'autre côté. Mais oui, mais. Ah, gros, regarde. Non, mais je vois pas en fait. Regarde. Non, mais je crois qu'ils te font un harpon aussi. Hein. Non, mais regarde. J'arrive vers toi là. Attends, faut peut-être pas que je bouge. Non, non mais là pas. Vas-y, je bouge pas. On va pas galérer une heure à choper un poisson, bordel. Je te jure. Vas-y, bouge hein. pas. Dis-moi les remous. Toi, t'es calme. C'est la calmitude absolue. Personne ne sait que je suis là. La racuté visuelle est basée sur le mouvement. Avance vers moi, par contre, non? Parce que là. Ouais, bah en fait, je fais des remous. À cette vitesse, on est mort en fait. Allez. Vas-y, fais des remous. Mmh. Allez, les poissons avancés. Non, mais gros, je crois qu'il faut que t'aies un harpon, notre joke. Mais non, regarde. Si, si, regarde. Ils arrivent. Mais non, je ne peux rien faire, en fait. Ils disparaissent. Eh oui, ils disparaissent, t'as vu, ils se TP. C'est des poissons TP. Vas-y, fais-toi harpon. Comment t'as fait un harpon? Bah là. Ah, je peux en fabriquer un. Là, vas-y. Je vais au bord du feu si ça te gêne pas. Hein. Je t'attends. Vas-y, hein. Fais-toi plaisir. Vas-y, RT. Voilà. Hop, le travail du bois. Heureusement que j'étais en prison pour travailler le bois. Allez, viens. On va y arriver. Par contre, sauf sa bête, faire des remous, ça sert à quoi en fait? Mais en fait, je pense qu'il y en a un qu'il faut qu'il fasse des remous, mais c'est impossible en vrai. Ah non! Attends. Oh, attends, faut attendre. Almost. On peut sauter? Vas-y, va faire des trucs là-bas là. Je vais. Ah! Je l'ai! Oh, comment t'as fait, mec? Comment t'as fait? Mec, la patience. T'attends. Non, en fait, mets-toi sur l'île. Et t'attends ouais. qu'il passe. Ouais, et dès voilà. qu'il passe devant toi, tu vas. Vas-y, vas-y, envoie-les vers moi. Mec, t'es un monstre. Mais tu veux et pas ouais. partager ton poisson plutôt que me faire galérer? Mais écoute, je peux en harponner un deuxième au pire? Non, non, tu peux pas. Non, gros, pas. Il veut se faire une brochette de. Une brochette de poisson. J'ouvre une poissonnerie dans les montagnes. Bah, dès qu'il arrive devant toi, tu fais un pas, juste un pas. Et tu le chopes. Là, tu peux y aller. Là. Attends, t'étais où? T'étais là? Ouais. Là, il est là! Attends. Attends. Je comprends pas. Mec, je vais pas y arriver. Genre. Y en a à tes pieds, normalement. T'as une chatte incroyable. Merde, j'ai besoin d'aide. Bah ouais, j'ai besoin d'aide! Attends, est-ce que je peux. La pêche, c'est pas mon truc, ok? J'ai jamais vu la pêche. Est-ce que je peux poser mon poisson? Vas-y, gros, fais-le. Vas-y, cule-toi. Fais X. Voilà, vas-y, bouffe-toi ça, gros. Eh, je m'en fous. Je fais cuire le petit poisson. Pêcher un poisson chacun, putain. Vas-y, là, t'y vas. Paf! Mais non, c'est pas ça la technique. N'avais à tes pieds. Mais oui, mais c'est pas. Tu vois bien que. Est-ce qu'on voit la même chose? Can't do this alone. Bah, je crois pas en fait, en plus, hein. Parce que moi, ils sont là, loin. Là, j'en vois devant toi, là. Là, y'a rien devant moi, ils sont loin. Bah oui, ils sont méga loin là. Tu les voyais là, vraiment devant moi? Ouais. Ah non. Tu veux des poissons? Mais non, faut que tu viennes m'aider. Allez, aide-moi, viens m'aider. Bah, moi je pensais qu'en faisant cuire mon poisson, j'aurais pu dire. Viens m'aider, non. Ah, c'est bon, j'ai posé mon poisson. Je vais t'empêcher. Vas-y, hein. Regarde, j'ai t'en. Regarde. Mais non, faut que tu me laisses. Arrête de faire le gars qui a des astuces. Regarde, y'a même pas de poisson là où tu mets. Bah attends, mais attends, c'est normal, attends, regarde. C'est bon, j'en veux plus. Viens vers moi, vas-y, attire-les vers moi. Attends, mais je sais pas où ils sont. T'étais ici, hein, on est d'accord, hein. Quand tu l'as chopé, t'étais où? J'étais là. Eh, hey, vas-y, on tire là, on s'en bat les couilles, vas-y. Y'en a bien. Oh, tu l'as eu. Ah non. Non, mais gros, mais c'est nul. Attends, vas-y, bouge pas. T'étais ici à peu près, non? En fait, j'étais sur l'île. Ouais. Et puis, je sais pas, y en a un qui est passé, j'ai sprinté dans l'eau. Vas-y, bombarde. Amène-les-moi là-bas. Putain, c'est impossible. Les emmène. Amène-les-moi. Mais y'a rien, moi. Tu bois des poissons, toi? Oui, sous le caillou. Ah non, mais tu peux pas. Non, mec, t'as une chatte, c'est incroyable. Fais des remous. On est triso. Ah oh, mec, ça sort près du feu, viens. Bah ouais, parce que j'ai chopé un deuxième poisson, ouais, la technique. Mec, GG, t'es un monstre. Toi, t'es un pêcheur, toi. Vas-y, comme ça, je m'assois là. Bah nickel ouais. Je peux prendre mon poisson, vas-y, fais-toi plaisir. Je t'ai totalement pétard dans le poisson, on s'en bat les couilles. Allez, go. Tu vois, Léo,
Je savais que t'allais mettre utile. J'ai du nez pour la chasse et la pêche. That tasted like shit, man. Well, you know, it is what it is. Yeah? And my fucking feet hurt. What about yours? I'm good. So you're a tough guy, huh? Well, it's not like we have much of a choice here. Yeah. By the way, what are you in for? Something I didn't do. So you're innocent, huh? Well, aren't we all? I'm innocent too, you know. Yeah, sure you are. What about family? You got any? Yeah. A wife. I hope. You? Me too. And a kid. Alex. Fucking miss him, man. Yeah, I hear you. That piece of shit Harvey's gonna get what he deserves, let me tell you that. So, let's go after him. Together. Look, Vincent. I need to know what your story with Harvey is. Okay? All right. I was a regular guy with a boring bank job. One day my brother brings in a new client, Harvey. Let me guess. Money laundering. Yeah. Money was easy, but Harvey just kept coming in with more and more cash, and I couldn't handle it. It was too risky. So I told him I wanted out. He killed my brother as a warning. After that, I lost it. I planned on killing him, but the son of a bitch pinned it all on me. I was convicted for the murder of my own brother. Wow. That's fucking rough, man. Yeah. Sorry. So, what's your story with Harvey? He fucked me over, that's for sure. I mean, we were gonna... Wait, you hear that? Oh, shit. You're closing in. We gotta move. Ah, my fucking feet. Just suck it up. Don't worry about it, I got it, okay? Allez, on va s'arrêter là, mon fufu. C'est un lourd secret, hein, n'empêche. Hein. Bah ouais, non mais clairement. Et je pense que clairement, notre passé, on a dû se croiser, tu vois. Ou en tout cas, des événements se sont croisés entre nous. Je suis sûr qu'on a forcément un lien, mais qu'on ne connaît pas encore. Bref, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous dis à très bientôt avec Monsieur Funéral. Sur le demain. Bisous, à très vite tout le monde. Ciao, ciao. Bye bye.